d'humeur du re. Re change d'humeur toute la journée, du matin jusqu'au soir. Le matin, re est heureux. Avant midi, re est triste. À midi, re est énervé. L'après-midi, re est peureux. Le soir, re est surpris. Et toute la nuit, re rêve, car re est amoureux. Aujourd'hui, on va apprendre la lettre R, le son R. Voilà la lettre R en majuscule script qui ressemble à un robot. Et voilà la lettre R en minuscule script qui ressemble à un robinet. Et voilà la lettre R en minuscule cursive qui ressemble à un rhinocéros. Pour dire le son R, on sent gratter la gorge, comme si on fait du gargarisme. R, R, R. Et cela fait vibrer la gorge. On peut mettre la main et sentir la gorge vibrer. Aussi, la langue est en bas et contre les dents du bas. R. Et voilà la lettre R, le son R. R. Dans la maison du son R, je mets tous les mots qui contiennent le son R, comme robe. Dans le mot robe, j'entends R au début. Dans le mot renard, j'entends R dans les deux syllabes, dans la première syllabe et dans la deuxième, renard. Dans le mot rose, j'entends R au début. Dans le mot radis, j'entends R dans la première syllabe. Dans le mot carotte, j'entends R dans la deuxième syllabe. Dans le mot voiture, j'entends R dans la deuxième syllabe. Maintenant, on va voir la lettre R avec les syllabes. R, A, RA, comme dans le mot parachute. Dans le mot parachute, j'entends RA dans la deuxième syllabe. PA, RA, CHUTE. R, I, RI, comme dans le mot CARI. Dans le mot CARI, j'entends RI dans la deuxième syllabe. CARI. R, U, RU, comme dans le mot RUBAN. Dans le mot ruban, j'entends RU dans la première syllabe. R, O, RO, comme dans le mot robinet. Dans le mot robinet, j'entends RO dans la première syllabe. R, E, RE, comme dans le mot recette. Dans le mot recette, j'entends re dans la première syllabe. Comment écrire la lettre R en majuscule script?
entre les deux grandes interlignes, je trace la lettre R en majuscule script, tout en traçant une ligne verticale qui monte, puis un demi-rond qui s'arrête au milieu de la ligne verticale, et je trace une ligne oblique qui descend jusqu'en bas. Je répète, une ligne verticale qui monte, un demi-rond qui s'arrête au milieu de la ligne verticale et une ligne oblique qui descend jusqu'en bas. Et voilà la lettre R en majuscule script. Comment écrire la lettre R en minuscule cursive? Entre les deux petites interlignes, je trace la lettre R en minuscule cursive. Je monte une ligne oblique qui dépasse un peu l'interligne. Je tourne une boucle jusqu'à la ligne et je trace une petite ligne horizontale, puis je descends tout droit pour monter et faire la queue. Je répète, je monte, puis je fais une boucle en haut de la ligne, je trace une ligne horizontale, puis je descends tout droit et je monte légèrement pour faire la queue. Et voilà la lettre R en minuscule cursive. Maintenant, passons à la comptine du son R. Et comme vous voyez dans la comptine du son R, il y a la lettre R en majuscule script et la lettre R en minuscule script décorée par des fleurs multicolores. Lisons ensemble la comptine. Dans la mer ou sur la terre, on entend la lettre R. Dans tonnerre et dans éclair, on entend la lettre R. C'est une lettre de plein air, le R. C'est une lettre de plein air, le R. Dans l'air et dans la lumière, on entend la lettre R. Dans rivière et dans désert, on entend la lettre R. C'est une lettre pleine d'air, le R. C'est une lettre pleine d'air, le R. Merci beaucoup et à très bientôt.